Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce week-end crypto. On va faire un point global sur le monde des cryptos, bilan de la semaine aussi, même si demain il y aura un hebdo crypto comme d'habitude. Là on va faire un petit point focus sur certains dossiers qui font l'actu. Moi je suis toujours en vacances, toujours en Thaïlande, ça se passe très très bien, il me reste encore une semaine en Thaïlande, on va en profiter au maximum. Mais en parallèle je continue à suivre et ces formats là c'est vraiment pour des gens, je sais pas, vous êtes peut-être déjà en vacances, certains partent bientôt, attendre début août et tout ça. Certains travaillent peut-être en ce moment, en tous les cas je vais continuer moi à sortir des vidéos tout simplement à l'image de ce que je fais à titre personnel dans le monde des cryptos. Tous les matins je fais mes petites analyses parce que le marché crypto malheureusement c'est 24-24, 7 jours sur 7 et toute l'année il n'y a pas de vacances. Vous avez des dossiers qui, vous le savez, peuvent faire x3, x4 mais perdent 90% de leur plus-value deux semaines après. Et donc pour moi à titre personnel je reste actif et je saisis les opportunités, que ce soit des ventes potentiellement sur des tokens qui explosent ou sur des achats sur des tokens qui se font massacrer. Et surtout, vous le savez maintenant, je vais être focus sur les 6 prochains mois, on prépare le bull run sur les très très gros dossiers quand même. Donc bien évidemment on va parler de Tao BitTensor parce que les volumes sont en train d'exploser, vraiment tout est en train de tourner dans le vert, quasiment aux portes du top 100, on va les voir, mais on va aller voir beaucoup beaucoup d'autres dossiers. La première chose, j'en ai parlé hier dans un short et on m'a demandé le nom parce que mon accent thaï n'est pas top. C'est l'hôtel dans lequel je suis. J'irai pas que c'est le meilleur hôtel de Koh Samui, ça serait une bêtise de dire ça parce que à Koh Samui vous avez des hôtels à 2000€ la nuit. Des hôtels, c'est des maisons, c'est des villas, c'est des choses de fou. Mais dans les hôtels abordables, on va dire à 100€ la nuit, vous êtes à 3 personnes 100€ la nuit, je trouve que c'est très correct. Et surtout, vous êtes comme chez vous, vous êtes très bien accueillis, c'est chaleureux, c'est au bord de la plus belle plage de Koh Samui, vous êtes à Chaweng Beach. Très très bel hôtel, un petit déjeuner compris, rien que le petit déjeuner, il vaut pratiquement les... Voilà, il est énorme, vous pouvez manger un peu de tout. Et voilà, on m'a demandé le nom, donc je le précise, c'est le Kirikayan Boutique Resort. Et après, je vous le dis vraiment en exclu pour certains, ceux qui partent là, dans les prochaines semaines, je peux vous avoir, je pense, un moins 10, moins 15, moins 20% si vous partez, je vais dire, jusqu'à fin août. À partir de septembre, je ne pourrai pas. Mais n'hésitez pas à me dire si, on sait jamais, si vous allez vers Koh Samui, on peut en discuter en messagerie. Au niveau des marchés financiers, très rapidement, le CAC 40, bah, finalement, il fait une belle semaine, il fait plus 1,94. Belle semaine, on se rapproche des plus hauts historiques sur le CAC 40, attention, 7581, on est à 7432. Vous le savez, la bourse en général, j'ai tout vendu quasiment, il me reste que 3-4 grosses lignes historiques, mais je n'ai plus d'action en ce moment, et ça me génère des liquidités que je réinvestirai essentiellement en bourse, mais aussi en crypto de manière opportuniste, même si c'est pas de l'argent prévu pour les cryptos, c'est important. Je pense que la bourse, je le sens pas bien pour septembre-octobre à titre perso. Tout simplement parce que les marchés font des plus hauts sur plus hauts. Petite digestion sur le Nasdaq, parce qu'il y a eu des mauvais résultats d'entreprise aussi, mais on va dire le Nasdaq, il était aussi, la bourse aux États-Unis avait fait 8 séances consécutives de hausse, ça ne s'était pas produit depuis pratiquement 5 ans, je crois. Donc c'est comme ça. Moi, je ne cherche pas, je regarde que les chiffres des fois, parce que l'actualité, on peut toujours trouver la raison, la cause de la baisse, non, juste ça digère, c'est de la prise de bénéfices. C'était une série exceptionnelle, alors que l'environnement économique, il n'est pas exceptionnel en ce moment. La seule information que vous devez avoir en tête maintenant, c'est le 26-20h. On verra ce qu'on fera, parce que 20h, moi, il sera à 2h du mat. Je pense que je dormirai, mais j'en parlerai le lendemain matin très tôt au morning. Le 26, décision de la Fed, ça va être super important. Ce qui va être important, ils vont augmenter, c'est quasiment sûr, de 0,25 les taux. Ce qui va être important, bien évidemment, c'est qu'est-ce qu'on fait ensuite. Vraiment, et je me répète sur ce sujet-là, mais c'est la clé des 6 prochains mois. S'ils annoncent qu'ils vont encore augmenter les taux avant la fin de l'année, ça sera un très très mauvais signal. Alors ça, c'est hyper intéressant en ce moment. Vous savez, le Bitcoin, il se stabilise autour des 30 000, il est légèrement en dessous. Mais ce qui est marrant, c'est, je suis assez d'accord, c'est honnêtement, faut avoir de sacrées baloches pour shorter le Bitcoin autour des 30 000, sachant que vous avez le loup dans la bergerie, vous avez BlackRock Fidelity. Comme l'a dit... Comme l'a dit, je sais plus quel investisseur, on ne joue jamais contre les États-Unis. Moi, je trouve que faire des shorts sur le Bitcoin autour de 30 000 $, c'est presque jouer contre les États-Unis. Parce que BlackRock, c'est quasiment les États-Unis, c'est un état le truc, tellement ils ont de l'argent. Au niveau des marchés, au niveau de la semaine, regardez, on a quelques dossiers, on a CAS. À chaque fois, je regarde, voilà, c'est comme ça. On a Link qui a bien performé cette semaine, XDC, XLM. En quotidien, on a CSPR qui revient dans le top 100 et TRX, incroyable, toujours là, personne n'en parle, mais c'est vraiment une valeur incroyable. Ensuite, au niveau du Bitcoin, on est 10 milliards, c'est pas grand chose, et voilà, on se maintient autour des 30 000, 1009 pour l'Ethereum, rien à dire, vraiment rien à dire.
Là, par contre, c'est de l'information à haute valeur ajoutée. Ce que je vous ai mis, c'est que j'ai investi quand même une petite dizaine de BNB, mais j'ai encore des liquidités et sur lesquelles de plus en plus, j'essaie de me convaincre et de me rajouter des indicateurs qui me confirment. Dès que je commence à mettre des gros montants, il faut que j'ai vraiment beaucoup d'indicateurs. Je vous en propose un aussi. C'est tout simplement BNB sur BTC. On regarde souvent BNB USD. Vous voyez que historiquement, BNB, on peut, parce que des fois les gens discutent sur ça, BNB ça explose le Bitcoin depuis que ça existe, voilà, c'est simple, hein, BNB sur Bitcoin, ça ne fait que croître. Là, bien évidemment, ça sous-performe, mais sur du long terme, ça explose le Bitcoin. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est complètement à 30, ce n'est arrivé qu'une seule fois dans l'histoire. Voilà, faites ce que vous en voulez de cette information, mais moi, cette information, elle vaut cher. Ce qui me plaît, c'est que c'est en phase avec la moyenne, je suis en weekly, moyenne mobile 200 semaines, rebond sur la moyenne mobile 200 semaines. À chaque fois qu'il y a eu de la contre-performance de BNB sur le Bitcoin, derrière, c'était un élastique, ça a explosé. Moi, je pense que ça va exploser, que ça va exploser son ancien plus haut à 0,02. Franchement, c'est un token sur du long terme. Pourquoi j'aime beaucoup BNB? Parce que BNB, c'est le numéro un dans les plateformes, malgré l'acharnement des US et tout ça. Et en gros, s'il y a de l'adoption, et il y aura de l'adoption du Bitcoin avec les BlackRock ETF et tout ça, donc il y aura de plus en plus de monde dans le monde des cryptos, et donc qui en bénéficie, le numéro un des plateformes, parce que c'est la facilité d'aller sur BNB. Et donc, si les cryptos, si vous croyez à l'adoption du Bitcoin, des cryptos, et bien BNB, c'est pratiquement l'un des meilleurs investissements, parce que ça va en bénéficier naturellement. Donc au niveau du Bitcoin, rien à dire, hein, ça sert à rien, je vois des fois des vidéos, mais je reste 2 secondes, où il y a 10 minutes sur le Bitcoin, il n'y a absolument rien à dire, on est dans un bull flag, sur le bas du range, autour des 30, entre 30 et 32 000, rien à dire, on monte, on baisse, on monte, on baisse, on monte, on baisse, bonne chance aux shorters là tout de suite, mais ils sont pas nombreux, j'en suis convaincu. Ensuite, Tao, ce que j'ai oublié de dire, on va aller voir quand même le top 200, parce qu'il y a eu un fait majeur là, c'est que, souvenez-vous, vous regardez mes vidéos d'il y a 2 mois, quand je parlais de Tao, on avait des volumes de l'ordre de 100, 200, 300 millions, 400 millions. Et là, l'adoption, elle est énorme, parce que là, ça a fait x10 au niveau des volumes, et surtout, il y a très peu de tokens disponibles. N'oubliez pas que 87% des tokens, il y en a à peu près 5 millions. 87 sont stackés, je crois qu'il y en a 600 000 de disponibles sur le marché. Donc, 2,5 millions. C'est énorme, c'est un énorme volume du flottant finalement. Et 2,5 millions, je n'ai jamais vu ça. La semaine dernière, souvenez-vous, on était à 1,5 million. 500 000 il y a à peu près un mois. Et qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? Et c'est pour ça qu'on va aller voir Tao. En fait, je vous disais, peut-être je vais alléger un peu. Ce qui est magnifique, c'est que j'en ai 225, même un peu plus, je vais vous expliquer. J'en prends 5 par mois. Là, ce mois-ci, j'étais en vacances, j'en ai pris 5 des Tao. Et grosso modo, j'en ai pratiquement 230. Ce qui est sûr, c'est qu'en nombre de tokens, même si je prends des bénéfices ici quand même par mesure de précaution autour des 120, j'en garderai minimum 200. Et peut-être que je les vendrai même pas, on verra. Parce que là, la dynamique, c'est en train de s'accélérer. Il se passe un truc au niveau des volumes. Quand il se passe ça au niveau des volumes, derrière, souvent, il y a des annonces. Très souvent. Et là, ce qui est magnifique, on est à la 109e place. On a pris 25 places en un mois. 11 places, aujourd'hui on prend 10 places, on est à la 109, bientôt il sera au top 100, et CoinMarketCap ne met toujours pas à jour, et Binance aussi, on se demande quand est-ce qu'ils vont le lister, mais ça peut être complètement dingue. Ensuite, Atom Cosmos, je vous ai dit, pas de blabla, pas d'analyse masturbatoire au niveau des graphiques, très simple, regardez, un enfant de 8 ans, il peut faire ça, je peux lui expliquer, on a fait un W, une forme hyper classique, et maintenant à court terme, ce que je regarde à court terme, c'est des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut. Là, c'est parfait. On confirme le W. C'est pas le grand soir, mais vous voyez bien qu'on est sur une structure magnifique. C'est des gros dossiers que j'ai renforcés en milliers d'euros. On va aller les voir. C'est Atom Cosmos récemment. Souvenez-vous, ici, je vous ai dit, pour moi, c'est un W. Je vous ai dit exactement la même chose sur Matic. Je vous ai dit, c'est cadeau ici, épaule tête, épaule inversée. Des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut. Voilà. Pas trop de blabla. Ça a de faire des courbes dans tous les sens. Ça ne sert à rien. Épaule tête, épaule inversée sur DOT, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Voilà, les plus bas de plus en plus haut, les plus hauts, regardez comme c'est beau. Et c'est des dossiers monstrueux sur lesquels ils sont en train de repartir tranquillement. Link, c'est important, c'est que là, il y a peut-être une ta-séance. Hop, peut-être une ta-séance à aller chercher, en fait. Tout simplement, hop, TAS and ANS. Il va falloir exploser absolument les nefs. Et je vous en ai parlé hier en weekly, c'est très beau ce qu'on voit sur les Gaussian. On m'a demandé le Gaussian, donc je vais vous expliquer comment on va le chercher, parce que cet indicateur, il est magique. Très peu en parlent, parce que c'est vraiment les gens qui viennent de la bourse en général qui le connaissent. C'est le Gaussian Channel. Donc, hop. Gaussian Channel, comme ça je vous le montre en direct, il est là.
vous cliquez et il apparaît. Après, je vous ai dit, le Gaussian Channel, où il est intéressant, c'est en weekly, donc je vais vous montrer. Hop. Après, des fois, il est un peu relou sur les graphiques, donc si vous voulez juste le garder sous le coude, mais qu'il s'affiche pas, vous faites ça. Et là, si vous le faites, regardez, on est en train d'attaquer le bas du Gaussian, on attaque la ligne médiane, la prochaine target, c'est la ligne haute du Gaussian à 10,50. Bien évidemment, s'il atteint la ligne haute, peut-être qu'il va sortir un peu comme l'a fait le Bitcoin il y a quelques semaines, et surtout, il aura explosé, on va se remettre en quotidien, il aura confirmé la ta séance. Donc là, il y a peut-être un super truc qui se joue, je dirais juste niveau critique, parce que s'il rebondit pas sur 9, il y a de gros risques qu'il reparte à la baisse, mais là, il y a une belle dynamique, regardez les volumes aussi qui explosent. VET, pas mal, VET, une espèce d'épaule tête-épaule inversée, en tous les cas, une espèce de tentative, c'est pas farfelu, mais là, il y a aussi un petit W, on peut dire. On va voir, mais ça se passe pas trop mal. Ensuite, CKB. CKB, je voulais en parler quelques secondes parce que je suis complètement honnête dans tout ce que je vous dis. Je partage beaucoup les dossiers que j'aime beaucoup. Je parle beaucoup de Tao en ce moment parce que c'est l'actu et moi, tout simplement, je prends juste un peu plus de 7000 euros là pendant mes vacances avec Tao. Et grosso modo, c'est ce qui fait l'actu. Mais derrière, je vous parle et non-stop, je reviens à ce dossier-là, c'est CKB. Je pense tout simplement que CKB, c'est encore plus fort que Tao. Voilà ce que je pense sincèrement. Pourquoi? Parce que ça s'adresse, ça vient s'attaquer à l'interopérabilité, au layer 0, layer 1. Ça apporte de la standardisation. Ça s'attaque au niveau au-dessus pour moi par rapport à Tao. J'aime énormément Tao et je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'oseille à se faire. Je pense que ça fait pas de performance, mais c'est ça aussi avoir un peu de courage, c'est de vous dire que clairement, je pense que CKB, surtout avec Tao qui a déjà commencé à exploser, même si globalement sous 100$ il est pas cher, CKB, je dirais presque qu'il est cadeau le token, et si je vends du Tao, un peu de Tao pour prendre des bénéfices, tout simplement c'est pour rééquilibrer, parce que j'ai mis voilà des montants à 5 chiffres, j'ai mis 10 000 euros sur CKB, alors que j'ai même pas 2 000 euros encore actuellement sur CKB, mais je pense que c'est le moment là de pareil, ce qui fait un petit W sur du long terme, rien de très folichon, mais je trouve qu'il a un cours hyper intéressant. À un niveau en dessous, par contre, je préfère largement CKB et Tao à Cadena, mais pour moi il est juste en dessous, et surtout il est vraiment donné, c'est un gros pari, il y a des risques, parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont sur ce créneau des Layer 1, mais c'est un projet que j'aime bien, et j'aime bien les projets dont personne ne parle, de ce type-là, voilà, CKB, ça fait très longtemps que j'en parle, Cadena aussi, c'est un cran en dessous, mais pareil, c'est un dossier que je veux accumuler dans les prochains mois. Ensuite, XRD, c'est un dossier que j'adore dans la DeFi, j'ai surfé sur ça, souvenez-vous, j'ai pris des bénéfs, et à un moment donné, j'ai gardé la moitié de ma position, malheureusement. C'est en train, voilà, c'est là, moi je pensais que, regardez, ta séance, ça explose, là on s'est gavé. Malheureusement, ça fait un repli qui devrait rebondir. Si ça rebondit pas, le risque majeur, c'est que ça peut être violent, c'est qu'il réintègre son range, et par contre, s'il arrive ici, je pense qu'on en reparlera clairement, parce que je pense que là, ça va être en milliers d'euros ce que je vais mettre. Si ça revient taper, aller sous les 4 centimes, entre 3 et 4 centimes, honnêtement, je pense que c'est le projet DeFi le plus sous-valorisé, même si je n'y crois pas, parce que là, on a fait ta séance, explosion. Si on dézoome, bah, on fait un pullback, et normalement, on devrait repartir. Donc voilà, c'est assez risqué parce que ça peut aller très bas là. Ça peut perdre 40%, des choses comme ça quand même, si ça va. Si ça réintègre ce range, ça peut aller très bas. Mais les opportunistes le savent, ça veut dire qu'il y aura des opportunités de fou. Et ensuite, XRP, ça faisait trop longtemps. XRP, vous savez, moi j'ai pris, j'ai renforcé ma ligne. Et comme je vous ai dit, j'en ai pas pris des millions. J'ai rajouté un billet de 400 autour des 0,80. Parce que si ça explosait, j'étais embarqué. Si ça explose, ça peut aller à 3$. Je vous ai montré le triangle sur du très long terme. Et donc j'en ai pris, et j'en ai pas pris des trop, parce que c'était risqué, mais regardez ce qu'on est en train de jouer, et quand on regarde la théorie des triangles, on devrait aller se retrouver pratiquement, hop, on devrait aller exploser ces ATH, quoi, aller taper les 3. C'est pour ça que j'en ai repris sur du très court terme, en me disant, si ça pump, voilà, j'en ai repris juste avant, maintenant on est à un point critique, faudra voir la clôture weekly, mensuelle, vous voyez qu'en mensuel, là, c'est gagné pour l'instant. Pour l'instant, ça passe. Mais vous voyez bien que ça se joue à pas grand-chose. Elle va être importante, cette clôture. En weekly, vous voyez bien que la semaine dernière, incroyable, boum, ça vient en dessous. Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, en tout cas, on est en train de rebondir dessus, là, regardez. Il faudra voir la clôture. On est en train de clôturer en weekly, c'est toujours ça de prix. Clôture weekly, ça a l'air d'être bon. Et enfin, AKT. Moi, pour moi, ici, il y a une espèce de bull flag. Ici, il y avait une grosse résistance. J'hésite vraiment, honnêtement j'hésite, j'ai pas beaucoup de liquidités et tous les dossiers que je vous ai parlé avant, pour moi c'est prioritaire par rapport à ce dossier là.
Qu'est-ce que je vais essayer de regarder sur ce dossier-là? Je vous le partage en direct, hein. Mais c'est un dossier que je suis, qui me plaît aussi. Un peu sur le même créneau qu'un render. Ouais, ça va, c'est pas en surachat, il est en train de rebondir. Ta séance, il a un peu hésité. Il peut aller exploser, aller taper rapidement ces niveaux-là, ça me fait un peu peur de pas être sur le dossier. Un dossier qui a l'air intéressant, et tout simplement, vu que je vous ai parlé d'énormément de dossiers sur lesquels je dois renforcer, pour l'instant je reste en stand-by, j'achèterai sur repli. Mais c'est vraiment pas mal, ce qu'il est en train de faire. Et on va s'arrêter sur ça. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end, je vous dis à très bientôt. Ciao tutti.